Ici, nous sommes à la ferme Nonkwenyon qui est située dans Agbada, dans la commune d'Adjoun. À l'origine, nous avons démarré en 2014 avec les cultures de consaison de tomates et de piments avec un système d'irrigation goutte à goutte. Et nous avons essayé aussi les cultures hors sol. Mais progressivement, nous avons introduit les animaux et nous avons commencé avec les porcs de race large white. Nous avons démarré avec 5 trus et 1 verra. Et aujourd'hui, on est à 70 têtes. Et nous avons aussi quelques porcs métis qui sont dans notre cheptel porcin. À part les porcs, nous avons des caprins, nous avons quelques têtes, une douzaine de caprins. Et nous avons aussi les volailles locales. Nous avons des poulets, ce qu'on appelle bicyclette ici. Nous avons des dindes, nous avons des canards et nous avons aussi des pintades. Nous avons aussi des poules pondeuses et actuellement on est en train de les reformer et le temps de prendre des poussins d'un jour pour remplacer l'effectif qu'on a ici sur la ferme. À part ça, nous avons un bassin où il y a quelques poissons-chats et à part les poissons-chats, nous avons des lapins qui sont sur un second site. Et ça, nous venons de démarrer avec une trentaine de têtes. On a 3 races qui sont là. Il y a Ila, Grand de Normandie et puis Papillon. Et nous pensons que d'ici quelques mois, quelques années, c'est d'atteindre environ entre 200 et 500 têtes de lapins. Et pour le futur, ce que nous pensons faire, c'est d'arriver à livrer de la viande à domicile. On sait qu'aujourd'hui beaucoup de foyers n'ont pas, nos mamans n'ont plus assez de temps d'aller au marché. Donc notre ambition c'est quand même d'arriver à produire et de livrer directement à domicile et de viande prête pour la cuisson. Donc c'est en gros ce que nous faisons ici et c'est vrai que c'est une expérience que nous avons commencé, ça fait un peu plus de 3 ans. Et d'ici 2 à 5 ans, nous allons atteindre notre vitesse de croisière.